Eh bien salut, c'est Agi, on se retrouve pour le cinquième épisode de Star Wars, le pouvoir de la force. On a des pouvoirs de force à utiliser avant, je crois qu'il va falloir rejoindre Dark Vador sur son vaisseau, donc avant on va faire ça. J'ai vu à peu près ce qu'on va pouvoir améliorer, peut-être le barrage site, envoyer un éclair dévastateur sur votre cible, effectuer un combo de 3 coups au sabre et appuyer sur C. Avec la foudre bien entendu, c'est les sites. Projectile, soulevez votre adversaire, lancez lui des objets du décor. Maintenant enfoncez Z et frappez avec la tête qu'on oublie. Donc le gros truc de tapette, on va le mettre, hein, ça peut être pas mal. Et après, tu sais quoi, on va garder, on a encore 48 000. La tenue, je vais repasser en tenue d'entraînement, la mode normale. Les autres sont un peu moches. Et modifier ça. Alors on va voir si on a d'autres cristaux de couleur. On en a un rose. Bon. C'est une petite variante du rouge. On va l'utiliser. Hop. En mode PD. Pourquoi pas. Cristal de combat. Lancer de s'améliorer. Étouffement amélioré. Bon, toujours progression. Projection de force. Poignée de sabre. On s'en fiche. Et on y va. Le vaisseau de Vador. Let's go. Il nous a dit de le rejoindre. Précédent épisode. Donc on va voir ça avec notre maître. Seigneur Vador. Je ne suis pas ton père. La flotte de l'empereur est arrivée. Vous avez attiré l'empereur jusqu'ici. Quand attaquons-nous ? Je ne l'ai pas attiré. Ces espions t'ont suivi jusqu'ici. Quels sont vos ordres, maître ? Vous avez outrepassé vos droits, Seigneur Vador, en faisant de ce garçon votre apprenti. Vous avez trahi ma confiance. Maintenant, tuez-le, ou je vous élimine tous les deux. Maître, ensemble nous pouvons le vaincre. Faites-le, Seigneur Vador. Terrassez-le, et vous me prouverez votre loyauté. Oui, Seigneur Vador. Tuez-le. C'est fait. Ah, le gros bâtard! Et l'empereur, hein? Les crèmes anti-rides, hein, c'est pas de refus, hein, fils de pute! Alors, du coup, Dark Vador nous a tués, enfin, pour prouver sa loyauté envers l'empereur, son maître. Enculé, va. Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Seigneur Vador, il reprend connaissance. Ne le libérez pas. À vos ordres. Vous m'avez tué! Non, l'empereur voulait ta mort. Mais j'ai récupéré ton corps et je l'ai amené ici, pour le reconstruire. Pourquoi? Il fallait que l'empereur te croie mort. Maintenant, tu vas pouvoir te venger et accomplir ta destinée. Quels sont vos ordres, mon maître? Les espions de l'empereur surveillent tous mes mouvements. Nous devons à tout prix faire diversion. Quelle sorte de diversion? Un assassinat? Ça ne suffira pas à attirer l'attention de l'empereur. Tu dois rassembler une armée pour t'opposer à lui. Une armée? Oui, une alliance de rebelles et de dissidents. Pendant que l'empereur et ses espions seront occupés avec eux, nous frapperons. Par où dois-je commencer? Ton destin est entre tes mains. Brise les liens qui te rattachent au passé. Personne ne doit savoir que tu me sers. Pars maintenant.
Et n'oublie pas que le côté obscur sera toujours avec toi. Proxy? Ah, maître. Content de voir que vous avez survécu. Je dois faire tout mon possible pour vous aider à disparaître. Dois-je préparer le décollage du Rogue Shadow? Ah, oui, oui, oui. Vas-y, je te retrouve là-bas. Vador a dit que tu étais mort. Mais tu es revenu. On m'a accusé d'avoir trahi l'Empire. Peu importe, je n'en ai plus rien à faire. Je laisse l'Empire derrière moi. Et j'ai besoin d'un pilote. Personne ne nous a suivis. Nous avons laissé les forces impériales très loin derrière. Y a un problème ? Vois-tu, toute la galaxie s'offre à nous. Et pourtant, pour la première fois de ma vie, je ne sais pas où aller. J'espère que tu as un plan. Il nous faut rassembler les ennemis de l'Empereur. Et quelqu'un doit m'apprendre tout ce que Vador ne m'a pas appris. On continue de chercher des Jedi. Il y en a un qui est peut-être encore en vie. Le général Kota ? Oui. Quand je l'ai affronté, il m'a dit qu'il faisait partie de mon avenir. J'espère qu'il disait vrai. Cap sur Nar Shaddaa. Et voilà. C'est à partir de ce moment-là que on va créer l'Alliance Rebelle. Donc apparemment, c'est Darth Vader qui nous a dit de le faire. Donc putain, ça va se retourner contre lui, en fait. Et j'ai cru voir aussi une faute là quand Dark Vador a dit que l'Empereur croit. Je crois qu'il a mis un E, je crois que c'est pas avec un E. Hein. Débloquer un nouveau pouvoir, brûleur de site, électrocuter plusieurs ennemis grâce à... Oh. Oh. Appuyez sur C, C. Avec les deux mains. Luke Skywalker, chevalier Jedi. Tire Master s'est développé par feu. Bursite. Oh. 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 Bursite, Bursite, Bursite. À quoi ça ressemble? Ah. Ça c'est pas mal, ça on va le prendre. Par contre, le truc là, le nouveau truc de force là, avec le brûleur Sith, putain, ça je l'améliore, obligé. Il va falloir électrocuter les ennemis avec les deux mains. Nar Shaddaa. Bon, on va aller voir s'il y a le général Kota, apparemment, il va falloir le rechercher, puisqu'il a senti notre avenir, que le général il s'est vu lui-même aussi dans son, dans notre avenir. Donc, il y a des possibilités qu'il soit encore vivant, et on va aller voir ça. Bien entendu, après le chargement de l'infini. Comme à chaque fois. Voilà, là on a la putain de classe. Putain, ça fait plaisir ça. Alors, on va tester un peu l'attaque. Je veux voir ce que ça donne. Ça va être magique quand même. Kutik. Je cherche quelqu'un. Le nom de Kota vous dit quelque chose ? Dites-moi si vous connaissez Kota. Kota, Kota. Jaholu Kota. Tu es vraiment sûr? My big cassa.
Trop tard. Où est Kota? Le mec, il a deux cannes dans la bouche, ça doit pas être pratique pour la fellation. Oh, oh putain, c'est trop bien. Oh oh, par contre, il y a mis combien d'ennemis? Là, non, c'est abusé. Les éclairs, on les connaît. J'aimerais bien mettre mon combo 3 coups. 1, 1, 1. Non, ça veut pas, ok. Oh. Mode empereur. Bon, puis il résiste avec sa graisse. Enculé. Eh bien. Et attends, il oh, y a peut-être des choses à. Là-dedans. Je vérifie. Dégage. Voilà. Alors. 1, 2, 3. D'accord, bah c'est pareil que le 2 ça. Ah d'accord, non, c'est pas pareil. En fait, tu fais autrement le coup de ça. Pff, pas grand chose. C'est pas forcément intéressant. Ta. On peut se tourner en plus. Là mon gros. Va sur tes potes. Ah, ils s'en fichent les éclairs. Le mec est comme ça. Oh la foute. Qu'est-ce qu'on s'éclate? Dégage. Voilà. Oh le cran, je m'en fiche. Oh parfait. Tu vois, il y a des trucs cachés quand même. Hein. Je vais détruire un truc au milieu. Ta gueule. Je parle au robot qui faisait ti. Des choses assez bizarres. Oh le chargement dégueulasse. On a encore les animations mais ça charge. Ça va pas avancer tranquille. Vous ne résisterez pas à mon. Aïe. J'ai rien dit. À mon pouvoir. J'ai fait du cochon. On va faire du jambon. Avec ta graisse. Là, c'est pas grave. Des trucs qui traînent. Non, c'est bon. Hop. Général Kota, où es-tu? Où es-tu, mon gros? Caché. Pistolocron. Bon. On va essayer de les tuer. Si ça me coince pas. D'accord, joli cancel. Oh putain, ça fait plaisir. Ça va falloir l'améliorer à fond. On pourra. Voilà. T'es mort? Il est mort. Ah. Général Kota. J'ai payé pour avoir cette table, alors qui que tu sois, fous le camp. Je vous ai cherché dans toute la galaxie. Qui es-tu? Un chasseur de primes? Non, je crois juste que nous pouvons nous entraider. Écoute, l'ami, je suis pas celui que tu crois, tu as vu ça. Ce ne sont pas vos yeux qui m'intéressent, mais votre esprit. Je sais que vous pouvez m'aider à combattre l'Empire. Pour ta gouverne, sache que ceux qui affrontent l'Empire n'y survivent pas! Pas même les Jedi! J'espère pour vous que vous avez tort. Ah, il nous reconnaît pas, hein! Dans la voix, en même temps, il est bourré, donc. Peut-être un peu normal. Gâche. Il est vraiment moche le sable comme ça en rose. J'en passerai en rouge. Ah, maintenant on en débloque un autre. Allez, électrocution. Main par électrocution. La 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 la. Aïe. Ah oui, c'est vrai qu'on a cette attaque là. Pouh. La violence. Un petit coup de maelstrom. S'il te plaît. Merci. Putain, le croc. Oh. Tiens. C'est cadeau. Je peux faire ça pour Noël. Il y a des trucs cachés, hein. Donc je regarde.
Bon, ici c'est coincé. Toi, on va te tuer. Putain. Si tu veux bien, merci. Et il reste encore des mecs à tuer. Ta gueule, cochon. Oui. T'es pas mort. Voilà. Cochon grillé. Il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Ah, de la vie. Ça, mon coco. Tu dégages. Le mec, il attendait là. Oui, je viens pour refaire mes papiers. Pouf. Un mec dans la gueule. Dégage aussi. On fait quoi? On se casse? On prend ce sang. On bouge. Oh! L'Empire m'a retrouvé. S'il te plaît. Merci. Toi, je te laisse tomber comme une grosse merde. Toi, pareil. Et vous, je vais vous électrocuter. Toujours aussi faible. Mettre un petit coup de Maelstrom là-dedans. Chargement. Elles sont dégueulasses ces chargements-là. Tous morts. Aïe 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 aïe. Ta gueule toi. T'as lancé de ça par contre, c'est pas super. D'accord. L'autre a tué son pote, hein. J'ai rien fait. Tiens, lui, on l'a étranglé pour le plaisir. Tas de bruit. Ah, ça rigole plus, un garde impérial. Oh oui, il rigole pas lui. Bon, on va le viser, s'il te plaît. Merci. On va prendre ça. Pouah, ta 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 ta. Pas mal de vie. Dégage. Maelstrom. Oh, on rachonge, j'ai mauvais spray. Oh putain, là on va lui faire mal là. Si on le touche, ça serait cool. Enculé. Et ici mon coco. Bon, mais t'es sérieux? Il me contre à chaque fois. Oh. Des Stormtroopers invisibles. Ok. Pouah. Dégage. Et de 1. De 2. Pas sur ton pote. Aïe 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 aïe, je me suis explosé la gueule tout seul. Il est où? Il est là-haut. Aïe aïe. Moi aussi je vais faire. Pouah. Qu'est-ce que tu fous sur la table? Un striptease! Un striptease! Bouge. On va un petit contre comme ça. Depuis quand vous avez des espèces de sabres laser, bande de bâtards? Violence. Électrocution! Oh, elle se protège. Là, cassez-vous, vous, derrière. Strom! Pouah! Wow, petit coup de Maelstrom, il y a trop de monde là. Il y en a un qui me tire dessus. Voilà, je vais attendre ma force. Cassez-vous. Un petit coup de Maelstrom, et ça va dégager. Ça m'a arrêté les mecs. Aïe 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 aïe. Calmer, ça, ça calme directement, ça c'est pas mal quand même. Oh! Ah non, c'est ça le coup que j'avais pas fait. Aïe. Là il va mourir. De l'autre côté, voilà. Poum, poum. C'est de la folie, mon garçon. Les forces de l'Empereur sont illimitées. Tu y laisseras la vie. Ou pire. Et tout restera comme avant. Et vous préférez croupir dans une cantina plutôt que de mourir en héros? Je ne sais pas. Mais je connais quelqu'un au Sénat qui pourrait exploiter tes talents au sabre laser. Où est ton vaisseau?
Ah là là, le pauvre. C'est un fier Jedi pourtant, pourquoi il a fini comme ça? L'alcool, mes amis, c'est le mal, c'est le mal. Où allons-nous maintenant? Au temple Jedi. Encore? Il y a quelque chose qui m'attire vers cet endroit. Alors direction le temple. Bon, pour la troisième fois, on va retourner au temple. Alors, super impact, cette onde de force extrêmement puissante peut soulever les cibles alentour. Effectuer un combo de 3 coups au sable et invoquer une projection. Ouais, c'est pas mal. Parce que je crois que je faisais des projections, mais bon, comme on n'avait pas de combo avec une projection... Débloquer un personnage, Mace Windu. Ok. 91 960. Est-ce qu'on a des choses à améliorer? Super impact. C'était pas mal, j'ai vu l'attaque là. C'était vraiment pas mal. Mais, on va garder ça comme ça. Par contre, je vais récupérer mon sabre rouge parce que... voilà, le sabre rose. On sera mieux comme ceci. Donc, j'espère que tu as apprécié cet épisode, et puis pour l'épisode 6, on retournera au Temple Jedi. Donc sur ce, porte-toi bien, et à la prochaine. Salut, que la force soit avec toi. Hi-ha !